31 years. This is the first 31 years. She's walking. 31 years. Amen. Believing God for a baby. Two babies, not just one. He was blind. Que Dieu vous bénisse, bienvenue sur Merveille sans nombre, mon heure a sonné. Je suis très excité ce matin pour le don de la vie. Vous devez apprendre à être reconnaissant à l'Éternel. La gratitude est une attitude. N'attendez pas de voir quelque chose de grand se produire avant de remercier Dieu. Car même les plus petites choses que vous considérez, c'est très important. La vie est un don de Dieu. Alors toutefois que vous vous réveillez le matin, eh bien c'est une preuve que Dieu vous aime. Il vous aime. Et c'est pour cela que Dieu espère également de vous que vous l'aimiez en retour. Aimez-le pour qui il est. Je remercie Dieu pour votre vie et je le remercie également d'avoir fait croiser nos chemins car c'est une opportunité. Alors on est rassemblés ce matin et on croit que des choses merveilleuses se produiront. Merveille sans nombre est une plateforme de prière où nous apprenons l'acte de la prière et devenons d'accord, addicté à la parole de Dieu. Et notre connexion, c'est à son esprit. Et quand nous allons commencer à prier ce matin, nous voyons alors la manifestation de Dieu à travers ses miracles. Nous voyons ces manifestations merveilleuses. Et je prie pour vous partout où vous êtes maintenant que vous nous suivez, que la main de Dieu du ciel vous touchera et que le Dieu de toute chair vous visitera. Il vous touchera, il touchera votre famille. Et ce sera une saison de miracles, de manifestation de la puissance de Dieu. Et partout où vous nous suivez maintenant, que le Saint-Esprit vous touche. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant à travers vos écrans, dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance vous touche. Soyez touchés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merveille sans nombre est une bénédiction car les gens sont de plus en plus équipés, d'accord, par le feu du Saint-Esprit. Et nous voyons les témoignages des gens dont leur vie spirituelle se transforme radicalement. Alors en ce mois d'octobre, envoyez-moi vos témoignages, d'accord, enregistrés visuellement afin que le monde puisse partager, que le monde puisse voir ce que Dieu fait dans vos vies. Car il est très important, d'accord, de partager vos témoignages et il y aura encore plus de miracles. Et donc vous voyez alors les différentes adresses email, celle de la prière et celle des témoignages, afin que vous puissiez d'accord envoyer en fait vos témoignages et vos prières. Nous allons vous donner également le numéro qu'il faut pour nous écrire en français. Alors, la Bible parle de Jésus-Christ qu'il s'est révélé, d'accord, depuis sa passion, son amour pour nous, dans Actes 1, verset 3, après avoir accompli tous ses miracles. Et donc, Dieu veut que nous jouissions et que nous vivions dans cette génération de miracles pendant que nous développons une relation d'intime avec lui. Alors, en ce mois d'octobre, nous allons considérer le thème qui dit « Toutes choses sont miennes ». Et comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, 21, eh bien que toute chose est à vous. Et au verset 22, il est dit que tout est à vous. Et donc nous allons répéter que voici, toute chose est mienne. Et donc je vous dis, alors partout vous vous retrouvez quelque part dans une situation ou par exemple dans un concours, eh bien déclarez toujours, toute chose est mienne. Et comme il est dit dans Nombre 14, 28, l'Éternel a dit que tel que je l'entends dans mes oreilles, c'est ce que je ferai pour toi. Et donc quand nous allons prier ce matin, je crois que ce sera ainsi, ça se manifestera dans nos vies. Et il est dit également dans Job 22, 28, que sur tous tes chemins, la lumière brillera. Et je prie aujourd'hui alors que la prière, l'onction de Dieu, d'accord, brillera sur vos pas. Et que vos paroles seront également établies avec succès, comme il est écrit. Toute chose que vous dites en cette semaine, en ce mois, s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ.
Alors, si vous nous suivez maintenant, invitez vos amis, vos bien-aimés et dites-leur que Merveille sans nombre a commencé, qu'ils se connectent afin de prier avec nous. Parce que tant qu'il y a un don pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Alors, et n'oubliez surtout pas l'autre action à faire, eh bien, c'est de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, donnez-nous un j'aime, likez, cliquez sur le pouce levé vers le haut et partagez le lien, d'accord, à de maximum, à plus de personnes autour de vous. Partagez jusqu'à 50 personnes, autant que vous pouvez autour de vous. Parce que permettez, d'accord, devenez un canal, d'accord, de transformation par lequel Dieu puisse toucher d'autres vies, d'autres personnes. Et que Dieu vous bénisse pendant que vous obéissiez à cette instruction. Alléluia. Lighted by your word, with the bread of life, thus I come alive, thus I change my world. Just breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me. Yahweh is your name, breathe love. Just breathe your name upon me, breathe. Father to child, spirit to spirit, lighted by your word. With the bread of life, thus I come alive, thus I change my world. Father to child, spirit to spirit, lighted by your word. With the bread of life, does I come alive? Does I change my world? Just breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me, breathe. Yahweh is your name, breathe, love. Just breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me, breathe. Yahweh is your name, breathe, Lord. Just breathe your name upon me. Just breathe your name upon me, breathe. Just breathe your name upon me, breathe. Yahweh is your name, breathe, Lord. Just breathe your name upon me, breathe. Ay, 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 ay. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh, my soul, rejoice, take joy, my King, it is what you give. Let it be a sweet, sweet sound in your ear.
yes, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, my Father. If there is a man to pray, tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas, nous sommes déjà d'accord en octobre. Et voici, toutes les choses sont miennes. Toutes choses sont miennes. Et notre verset biblique, d'accord, qui soutient ce thème, vient de 1 Corinthiens 3, 21-22. Et le deuxième, c'est Luc 14, verset 17, qui dit que tout est prêt. Venez maintenant, car tout est prêt. Alors, toutes choses sont miennes, toutes choses sont prêtes. Alors, je voudrais que nous prions, d'accord, mais vous allez, d'accord, liker et partager au maximum. Alors, Proverbe 18, 10 dit, l'Éternel est comme un donjon bien fortifié, et le juste y accourt, et il y est en sécurité. Alors, même si vous êtes juste, vous avez besoin de la préservation, vous avez besoin de sécurité. Alors, je cours à l'abri du nom du Seigneur. Je cours à l'abri du nom du Seigneur. Je cours à l'abri du nom du Seigneur. Ce sera notre prière ce matin. Seigneur, je cours à l'abri du nom du Seigneur. Et pendant que vous serez en train de faire cette prière, eh bien, n'oubliez pas, d'accord, de mentionner le nom de vos enfants, le nom de votre mari, de votre femme. Mentionnez toutes choses que vous pensez, d'accord, en besoin de sécurité divine. Alors, nous allons faire cette prière très, très sérieusement ce matin. Je cours à l'abri du nom du Seigneur. Je cours à l'abri du nom du Seigneur. Je cours à l'abri du nom du Seigneur. Mes enfants courent à l'abri du nom du Seigneur. Mon épouse court à l'abri du nom du Seigneur. Ma carrière est préservée par le Seigneur. Toute personne et toute chose qui est connectée à moi court à l'abri du Dieu Tout-Puissant. Tout court à l'abri du Seigneur. Run into the name of the Lord. You pray that prayer loud and clear. Number one. I run into the name of the Lord. Again. Alors répétez après moi. Je cours à l'abri du nom du Seigneur. 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 Ouvrez votre bouche maintenant et priez. Seigneur, tu es un donjon fortifié pour le juste. Et sous toi, Seigneur, nous rendons. Nous nous cachons pour nous protéger, pour nous sécuriser. Seigneur, je cours à toi ce matin contre toute attaque contre mes bienfaiteurs. Les attaques gauche à droite contre mes bienfaiteurs. Seigneur, je viens cacher mes bienfaiteurs sous ton abri.
Je cours à ton abri, Seigneur, avec mes bienfaiteurs de destin. Je cours à ton abri, Seigneur. Toutes les personnes que tu as dédiées pour être une bénédiction pour moi, Jérôme, je te les présente. Je les amène sous ton secours, sous ton abri, afin que tu les protèges. Je te présente mes enfants, mon époux, ma femme, mes affaires, mon ministère, mon entreprise, ma carrière. Je cours à ton abri, Seigneur. Chaka 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 cha
Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu me dit de tirer une famille. La Bible dit que les attentes des justes ne seront pas déçues. Alors cette bonne nouvelle que vous attendez, parce que je vois une famille qui espère avoir un visa. Dieu me dit de vous dire que dans les 48 heures à venir, eh bien, les visas seront libérés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que de bonnes nouvelles. Je vois un footballeur qui espère être appelé, être recruté par un club de son rêve. Et Dieu me dit de vous dire que voici des bonnes nouvelles arrivent. Et que toute personne qui espère avoir de bonnes nouvelles au nom de Jésus, recevez de bonnes nouvelles. Recevez de bonnes nouvelles. Comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée est une bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain. Alors je déclare, recevez de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Recevez d'accord les bénédictions que Dieu a promises, l'élévation qu'il a promise, les bonnes nouvelles qu'il a promises, les choses qu'il vous a promis. Eh bien, je ne sais pas quelle est la bonne nouvelle que vous espérez. Vous espérez avoir quelque chose, vous espérez recevoir quelque chose. Eh bien, Dieu me dit de vous dire que voici des bonnes nouvelles arrivent. De bonnes nouvelles arrivent. Je ne sais pas ce que vous espérez de Dieu. Quelque chose qui prend du temps à se manifester.
passer dans votre vie et vous attendez d'accord désespérément. Dieu me dit de vous dire que les bonnes nouvelles arrivent. Les bonnes nouvelles arrivent. Vous recevrez de réponses positives. Vous recevrez de bonnes réponses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et préparez votre flacon d'huile. N'oubliez surtout pas parce que nous allons nous joindre ce matin comme d'habitude. Alors nous prions toujours. Alors au verset 16 de Proverbe 18, les dons ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Alors toute personne est douée à des dons. Selon 1 Corinthiens 7, 7 que chaque personne a reçu un don particulier de Dieu. Donc tout individu a un don particulier de Dieu. Parce que le don que Dieu vous a accordé, le don que Dieu vous a donné, il est propre à vous. Et c'est ce don, d'accord, ces talents qui doivent vous conduire devant les rois. Et il faut savoir également qu'il n'y a pas de don, il n'y a pas de don qui soit venu par erreur, ou il n'y a pas de don qui soit venu accidentellement. Donc tous les dons, tous les talents sont intentionnés et intentionnels. Tous les talents et les dons, d'accord, Dieu vous les a accordés de façon précise selon votre personnalité. Et voici notre prière ce matin, hein, que mes talents, mes dons, mes habiletés me conduisent devant les hommes grands en ce mois d'octobre. Et donc vos habiletés, vos talents, les choses que vous savez faire, que vos dons, que vos habiletés vous conduisent devant les hommes importants. Répétez après moi, mon Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie, que mes dons m'amènent devant les grands rois, que mes dons m'amènent devant les gens importants, que mes dons, mes talents m'amènent devant les hommes importants, que mes dons, mes talents me conduisent devant les hommes importants, que mes dons, mes talents me conduisent devant les hommes importants, que mes dons et talents m'amènent devant les hommes d'importance, les hommes importants de la société, les hommes grands de la société. Que ce que je sais faire me conduise sur leur chemin. Que nos chemins se croisent. Que les dons, là, Seigneur, que tu déposes en moi me conduisent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que mes dons, mes talents me conduisent devant les hommes importants. Dans le nom de Jésus-Christ. Chapa 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 chap
Dans le nom de Jésus-Christ, connectez votre foi à la mienne. Connectez votre foi à la mienne. De bonnes nouvelles arrivent. De bonnes nouvelles arrivent. De bonnes nouvelles arrivent. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. De bonnes nouvelles arrivent. Dieu me dit, espérez cela. Espérez cela. Someone is looking for his passport. Quelqu'un est en train de rechercher son passeport. Rendez-vous à la douche. Just by the sink, your passport is there. It's covered. Something covered it. Allez à la salle de bain au niveau de l'évier. Vous allez retrouver votre passeport. C'est recouvert par quelque chose. I see a young man. Je vois un jeune homme. Qui croit en Dieu pour une ouverture dans sa vie. Mais je vois que vous avez un problème très sérieux avec votre sœur.
et vous êtes même bloqué sur vos numéros. Alors moi je vous dis, débloquez votre sœur, débloquez-la, d'accord, de vos contacts, débloquez-la et envoyez-lui un message. Vous allez voir que le premier message qu'elle va vous envoyer, eh bien, ce sera même la réponse à l'attente que vous avez. Vous allez voir, dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je déclare sur vous, d'accord, que vous et tous les membres de votre famille, vous êtes préservés, vous êtes protégés, la sécurité est votre portion, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare que vos dons, vos habiletés, vos talents, ces choses-là que Dieu a déposées en vous, vous conduiront devant les hommes importants. Et vous serez une bénédiction pour eux, ils seront également une bénédiction pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que toutes choses sont les vôtres. Toutes choses sont vôtres. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends Edna. Vous ne mourrez pas, Edna. Edna, vous ne mourrez pas. Edna, vous ne mourrez pas. Je retourne, je renverse, d'accord? Je renverse le verdict du médecin. Angela, soyez féconde. Amen. Je vois quelqu'un du nom de Memphis Lucas. Dieu me dit de vous dire ceci. C'est comme... Il y a comme un esprit de dette, d'accord, qui vous suit. Et c'est comme une malédiction générationnelle. Maintenant, j'utilise ce monsieur et je me connecte et je prie pour tout le monde. Toute personne qui est sous le joug de l'esprit de dette, je déclare que vous soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la puissance du Saint-Esprit sur vous. Je déclare que l'aide vous vienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez votre main gauche là où vous avez mal si vous êtes malade et étendez l'autre main. Je réprimande les maladies. Je réprimande toute infirmité. Je réprimande toute maladie et toute forme de malformation. Je réprimande également les afflictions. Je les commande de partir. Sortez et soyez guéris complètement et affranchis. Et soyez libérés par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes guéris. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, c'est le moment des offrandes maintenant. La Bible nous fait comprendre qu'on ne doit pas apparaître devant l'Éternel les mains vides. Et je déclare que la main de Dieu repose sur vous. Il vous rendra prospère. Il vous bénira. Je déclare que vos offrandes sont bénies dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare la grâce de Dieu. Je déclare la main de Dieu qui repose sur ces offrandes. Que le ciel parle pour vous en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ. Et que ces semences dans vos mains deviennent une voix pour vous, une voix plus élevée qui porte plus que vos pleurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, recevez les témoignages. Bonjour papa, avant de passer mon examen de GCU, j'ai invoqué le Dieu de merveille sans nombre pour m'accorder le succès. Gloire à Dieu, j'ai réussi mon examen avec brio. Merci Jésus. Marinette Limbe, de Limbe au Cameroun. Bonjour papa, je suis Juliette de Lagos. Je remercie Dieu d'avoir guéri mon oreille. J'avais un furoncle à l'oreille pendant des semaines, pendant la prière du matin. Après que papa ait prié pour les malades, le furoncle s'est asséché. J'ai ressenti un grand soulagement. Merci Jésus. Bonjour papa, je m'appelle Francisca Emouzé. J'ai rejoint Merveille sans nombre il y a quelques mois. J'ai eu un grave mal de dents qui ne me permettait pas d'utiliser un côté de ma dent pour mâcher. La douleur s'accompagnait souvent de violents maux de tête, mais après avoir appliqué l'huile d'onction bénie par papa, les douleurs se sont arrêtées. Merci Jésus. Bonjour papa, mon nom est Blessine, prise du Libéria. J'ai envoyé une demande de prière à cette plateforme pour avoir un hébergement et le Dieu de merveille sans nombre m'a béni financièrement et m'a donné en plus un grand et bon logement. Merci Jésus. Bonjour papa, quand papa prie pour les documents, je m'y connecte toujours et j'apprécie le Dieu de merveille sans nombre pour avoir libéré mon permis de travail. Abby des États-Unis. Bonjour papa, j'ai fait des efforts pour obtenir mon titre de séjour enfin.
Après m'être connecté à cette plateforme en envoyant ma demande de prière, on m'a appelé pour que je vienne chercher mon papier, mon séjour, mon papier de séjour. Gloire à Dieu, j'ai maintenant mon permis de séjour. Merci Jésus, révérend promis Samuel de Malabo. Bonjour papa, je remercie le Dieu, je remercie Dieu pour l'accouchement de mon bébé. J'ai été retenu pour une opération le 1er août 2023 alors que je me connectais aux merveilles sans nombre. Eh bien, le matin, j'ai accouché de mon bébé en toute sécurité et sans opération. Merci Jésus. Bianoujou Makeni de Port-à-Court. Bonjour papa, j'ai soudainement commencé à avoir de problèmes oculaires chaque fois que je lis mes livres, notamment lors de mes examens. J'ai commencé à oindre mes yeux d'huile d'onction que papa a béni. Et gloire à Dieu, cette fois, j'ai fait mes examens sans aucun problème. Lizzie en pas de l'état de Anambra. Bonjour papa, j'avais un fibrome qui a arrêté mon cycle menstruel. Le 23 août, j'ai appelé le centre d'appel, mes veilles sans nombre. Quelqu'un a prié avec moi et cinq minutes plus tard, j'ai constaté que mes règles ont repris immédiatement. Espoir de l'état d'Omi. Bonjour papa, je m'appelle Mbot Joël David, étudiant de Yaoundé au Cameroun. Quand je passe mes examens, j'ai l'habitude d'éprouver de graves maux de tête. Avant d'écrire mon GCE, ma mère me connectait toujours à merveille sans nombre. Et puisque je suis resté constant à la connexion, eh bien, je n'ai pas eu de problème. J'étais guéri sans même m'en rendre compte. J'ai fait mes examens sans aucun problème. Et quand le résultat est arrivé, j'ai réussi tous mes sujets, y compris même les matières que je ne connaissais pas proprement bien. Et je ne pouvais pas écrire. Merci Jésus-Christ. Père, nous te retournons toute la gloire pour ce témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'argent miracle, recevez les alertes financières, une augmentation de salaire, un meilleur emploi, recevez votre carte verte, recevez votre citoyenneté, recevez vos permis de travail, permis de résidence, etc. Et que toutes vos requêtes de prière soient exaucées dans le nom de Jésus-Christ. Alors je déclare l'huile que vous tenez et d'accord est bénie pour produire des actes étranges de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alors oignez-vous maintenant et répétez en ce mois d'octobre, les bénédictions de Dieu reposeront sur moi. En ce mois d'octobre, les promesses de Dieu se manifestent dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, n'oubliez pas, d'accord, nous avons toujours quelques gens, quelques personnes qui nous réclament toujours les informations, d'accord, liées à l'assistance à apporter aux missionnaires dont nous avions parlé, d'accord, au mois d'août. Et donc, plus de personnes nous contactent. Et les missionnaires, d'accord, se multiplient également sur la liste. Donc, vous voyez le numéro WhatsApp sur l'écran, vous pouvez d'accord contacter pour envoyer vos aides ou vos assistances financières, si vous le pouvez et selon que le Saint-Esprit vous dirige. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse tant que vous continuez d'accord à bénir ces missionnaires. Et n'oubliez surtout pas, d'accord, je rappelle rapidement nos croisades internationales au travers desquelles Dieu produit des merveilles innombrables. Il produit des miracles qu'on n'arrive pas d'accord à expliquer. Alors n'oubliez pas, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Et sachez que tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Que quelqu'un dise, mon heure a sonné. Alléluia.